Bonjour les enfants. Je vous ai amené ici pour que nous apprenions les couleurs ensemble. Phoebe, revenons sur ce que nous avons appris à l'école. Groovy, sois attentif. Nous avons 6 seaux de peinture de couleurs différentes. Rouge, orange, jaune, vert. Groovy, tu es vert et jaune aussi. Bleu et rose. Nous avons également 6 dessins d'animaux. Renard, grenouille, poulet, coccinelle, flamant rose et requin, bébé requin. Les animaux sont très marrants. Savez-vous de quelle couleur est chaque animal? Groovy, transforme-toi en pinceau et aide Phoebe à colorier les dessins dans la même couleur. Rouge. Lequel de ces animaux est rouge? Exactement. La coccinelle est rouge. Groovy, maintenant l'orange. Lequel ce sera? Oui, très bien, Phoebe. Le renard est orange. Jaune, Groovy. Essaye-toi. Quel animal est jaune? Non, non, Groovy. Les flamants ne sont pas jaunes. Les enfants, aidez-le. Ah, c'est ça. Les poussins sont jaunes. C'est au tour du vert. Ah, oui, Groovy. Tu es vert. Quel autre animal est vert? Oui, la grenouille. Le bleu. Le bébé requin. Oui, il ne reste plus qu'une couleur. De quelle couleur est le flamant? Exactement, rose. Bravo, Groovy. Je pense que vous connaissez déjà parfaitement les couleurs. Voulez-vous essayer avec des fruits? Mais toi tout seul maintenant, Groovy. Avec un peu d'aide, c'est bien aussi. Nous avons la mandarine, la fraise, la banane, les myrtilles, la pitaya et le kiwi. De quelle couleur sont les mandarines? Exact. Elles sont oranges. Et les fraises? Très bien, elles sont rouges. Et la banane? Jaune, c'est ça. Et les myrtilles? Bleu, quelle équipe! Il n'y a plus qu'un, il n'y en a plus qu'un, le pitaya. Très bien, les enfants. Rose. Bravo, les enfants. On révise une dernière fois. Rouge, comme une coccinelle ou une fraise. Orange, comme le précieux renard ou la délicieuse mandarine. Jaune, comme les poussins et les bananes. Vert, comme une grenouille ou à l'intérieur d'un kiwi. Et bien sûr, le brocoli. Bleu, comme le bébé requin et les myrtilles. Et rose, comme le flamant et le pitaya. Et comme Pops. C'est amusant d'apprendre. Waouh, j'adore plonger. C'est très amusant et vous pouvez découvrir un monde magnifique sous l'eau. Regardez tous ces poissons. Regarde, une étoile de mer. Elle est jolie. Phoebe, encore à la recherche de sirènes? Des sirènes, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de crabes au fond de la mer.
Phoebe, les sirènes n'existent ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Une sirène ? Un requin ! Attendez, c'est un bébé requin. Et ses parents ? Ne t'inquiète pas, nous t'aiderons à les retrouver. Mission sous-marine, retrouver la famille requin. Tiens, un poisson clown. Demandons-lui. Un poisson chirurgien et une tortue l'accompagnent. Comme dans le film Le Monde de Nemo. Il doit savoir quelque chose. Dory, avez-vous vu un requin ? Quelle bonne idée, Groovy. Si tu te transformes en animal aquatique, tu pourras te déplacer plus facilement dans l'eau. Enfin, pas toujours. Les hippocampes ne sont pas très agiles. On va apprendre beaucoup sur les animaux aujourd'hui. Demandons-lui s'il a vu ta famille, bébé requin. Excusez-moi, monsieur hippocampe. Avez-vous vu un requin ? Mademoiselle Dauphin, avez-vous vu un requin ? Monsieur Espadon ? Madame la Méduse ? La baleine ? Non, ne t'inquiète pas. Les poissons ont une très mauvaise mémoire. Quelqu'un les a sûrement vus, mais ne s'en souvient pas. Il va falloir chercher des indices. Regardez, c'est un filet. Il semblait avoir peur. Allons jeter un œil. Bébé requin, tes parents ! Oh non ! Nous devons nous dépêcher. Vous devez couper le filet. Vite ! Bon travail, les gars. Vous souvenez-vous du nom de tous les animaux que nous avons connus aujourd'hui ? Oui, une petite étoile de mer. Le crabe, très bien. Oui, un poisson clown, comme Nemo et son père. Très bien, un poisson chirurgien. Une tortue marine, elle peut vivre plus de 100 ans. Un hippocampe, que c'est beau. Une méduse. Méfiez-vous des méduses. Le dauphin intelligent. La baleine énorme. Le requin. Faites très attention. Prenons soin de la mer pour qu'ils puissent tous vivre heureux.